Des autotransacts à l'ange réseau, plus que pro pour la défense du consommateur dans le cadre du principe de transparence. Eh bien, on vous montre une nouvelle vidéo aujourd'hui. Citroën C4 Picasso Phase 2, très belle voiture. Comme vous pouvez le constater, voilà. Très belle voiture. Et ici, vous avez les freins arrière, voilà. Les sur arrière. Les disques qui sont complètement pourris. Donc, ça, c'est un véhicule qui roule très mal ou qui roule peu. Ou qui roule de manière aléatoire et intempestive, voilà ce qui arrive. Au départ, on a du marquage et ensuite on a la rouille qui pique le disque dans la matière au niveau interne et là c'est mort. C'est le cas là, il faut remplacer donc les disques et les plaquettes. C'est vraiment pourri, il suffit de regarder. Voilà, on est vraiment dans la matière. Les plaquettes évidemment, on est presque quasiment au bout, donc voilà. Donc là, on va remplacer disque et plaquette. Bon, le client s'en sort bien puisqu'il s'agit des disques simples et non pas des disques roulements pour une fois. Voilà, donc ça coûtera au client un petit peu moins de 200 euros, tout compris posé disque et plaquette de frein. Voilà, selon le barème constructeur et notre taux barémé, celui de l'entreprise simplement. Voilà. Merci à tous, c'était Death Auto Transac, Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Un petit élément supplémentaire avant de vous quitter, c'est que là-dessus, on a des freins électriques, voyez, pilotés électriquement par le calculateur au niveau du frein. Hein. Donc, lorsqu'on va remplacer les plaquettes de frein, il va falloir utiliser l'outil diagnostic pour faire la rétraction des pistons, puis après le repositionnement pour le point de léchage par rapport aux plaquettes neuves qui sera donc posé subséquemment à la dépose. Voilà, merci à tous des autos transacts Talange réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Vous avez été victime d'une entreprise frauduleuse, rendez-vous sur le site internet balancetonbricolo.org. Merci à tous.